Nous habitons le Sanon, au deuxième étage, côté stade. Voilà. Je suis ici donc depuis 1976, donc c'est l'année de la construction du Sanon. Donc ça veut dire que j'ai toujours en réalité vécu ici. J'habite au 42 de la Médine, au milieu du stade de foot, en fait, du prochain parc d'activité. Et puis je suis là depuis l'origine du quartier, donc depuis 80 en fait. Le terrain est enserré entre des immeubles collectifs et des maisons particulières et structure le quartier du Champ-le-Bœuf. Pour nous, c'était important dans l'évolution de ce projet d'associer les habitants. Et donc c'est la raison pour laquelle depuis mai 2015, enfin, à partir de mai 2015, on a travaillé avec un groupe d'habitants de manière un petit peu naturelle, on va dire, sur l'évolution de ce terrain. En mai 2016, on a eu un cahier des charges qui spécifiait les besoins, les envies, mais aussi les réserves des habitants et des riverains. C'est à partir de ce document, de ce cahier des charges, qu'on a contacté le CAUE de Meurthe-et-Moselle pour nous aider à la mise en œuvre de la maîtrise d'ouvrage. Et le CAUE nous a proposé d'aller plus loin avec les habitants et de les associer à la suite du projet avec les paysagistes. Ça fait quelques temps déjà qu'on parle de faire des activités autour de la nature. Donc on a rencontré Madame Ries et Madame Roussel, on leur a exposé notre ébauche de projet, voilà, on leur a fait savoir qu'on serait intéressé pour en savoir plus sur le projet de réhabilitation du terrain de foot et voir si ce projet-là de la mairie pouvait nous permettre à nous de développer le nôtre. Donc c'était important pour nous de participer à ce projet pour que le nouveau parc garde une dimension sportive. On a monté un comité de pilotage issu donc des usagers, donc parmi les plus volontaires, une dizaine de personnes, qu'on a invitées lors des deux commissions en fait, de recrutement du maître d'œuvre. La première étant l'examen des candidatures suite à un avis d'appel public à concurrence qu'on avait réalisé. Et ensuite les auditions des trois équipes qui se sont présentées. Ils voyaient en nous une bonne équipe complémentaire, quoi, entre d'une part notre côté, notre approche participative et le savoir-faire en maîtrise d'œuvre de Michael. On parle de conception intégrée dans le sens où à un moment on intègre tous les intervenants, tous les acteurs du projet, y compris les usagers, tout au long du projet. Et non pas de manière ponctuelle lors d'informations et de réception du chantier. Les premières réunions, je n'ai pas du tout été rassuré, loin de là. Oui, au début j'étais très sceptique parce que je trouvais que tous ceux qui souhaitaient beaucoup d'équipements sportifs, ils me faisaient très peur. Sans forcément avoir présenté le pourquoi du comment la MJC était là, on a, dès la première réunion, senti les noms catégoriques de certaines personnes. C'est ce que j'allais dire. Donc c'était un peu frustrant, en fait, de même pas avoir le temps d'essayer de présenter, de présenter le projet. Quand j'ai vu comment c'était parti, où on était tous, chacun, en face à la limite, en face à face, hein, voilà, en train de défendre nos souhaits, je me suis dit, voilà, où va-t-on, hein? La peur, c'est toujours de se dire, on ne veut pas de bruit. C'est un peu ça. Les gens essayent de se protéger, d'avoir un environnement calme. Donc ça faisait un petit peu peur de dire, bah oui, on va faire des jeux, le terrain de foot, ça va faire du bruit, etc., etc. On était quand même ouvert à tout quand même, sauf au bruit. Ah, ça, on peut pas empêcher totalement. Ça. Je vais vous demander à chacun de nous dire quel serait un peu votre idéal de parc. Que ce soit beau, qu'il y ait des fleurs que j'entretiendrai et que j'arroserai. Qu'on respecte les espaces des uns et des autres. On pourrait mettre quelques tables de ping-pong ou d'autres choses. Après, continuer avec le terrain de basket, le terrain de multisport, etc. Que ce soit vraiment dans la continuité. Un petit bassin peut-être avec des plantes aquatiques. Je sais pas, puis des bancs autour. Les jardins le long des habitations, parce que ça, c'est ce qui fera le moins de bruit. Hein, finalement, c'est ce qui respectera le plus la tranquillité donc, du voisinage. Par contre, on ne veut pas de passage par la rue de la Madine. Ça, c'est clair et ferme. Des cabanes, des arbres et un marchand de glace. Le projet, il va surtout commencer à exister une fois qu'on aura fini les travaux. Et il ne s'agira pas de perdre cette mobilisation qui est en cours. On a vu autour des usagers qu'il y a les riverains d'une certaine rue
qui ont plutôt des inquiétudes par rapport aux nuisances du futur quartier, d'autres usagers qui, eux, veulent faire perdurer la fonction sportive du stade, d'autres personnes au Sanon qui ont d'autres objectifs par rapport à ce stade. Et donc, l'atelier jeu de rôle, c'était vraiment l'idée qu'on se mette à la place d'un autre, c'est-à-dire qu'on joue le rôle. Aussi une phase dans ces ateliers où on les a amenés à manipuler un peu en volume donc le projet avec des petites maquettes en sable parce que on voulait qu'ils travaillent en particulier le modelé, donc le relief. Ouais, parce que c'est ce qui est ressorti des premiers ateliers. Voilà. À partir des références et tout, rapidement on a compris que les gens ils trouvaient ça un peu morne cette horizontalité là de stade de foot. Le fait de pouvoir manipuler le sable pour pouvoir commencer à modeler le terrain, je pense que ça a ouvert la vision de ceux qui ont participé à ces ateliers, de voir que on pouvait creuser, on pouvait faire des bosses. Là, la montée, elle y va petit à petit, parce que s'il y a une grande montée directe, c'est là où les personnes à mobilité réduite ont du mal. Nous, on avait imaginé créer du relief aux extrémités pour justement déjà surélever et ensuite mettre de la végétation et arbustive et au niveau arbuste et au niveau des arbres. Comme ça, on a vraiment un rideau de végétation. Ça nous a amené aussi à des tests grandeur nature, donc on s'est rendu sur place, on a marqué les emprises un peu des différents équipements et de l'aménagement futur. Donc ça leur a permis aussi de visualiser concrètement les surfaces qui sont en jeu. Ah, en plus c'est marqué dessus. 44 mètres. C'est quand même intéressant de voir in situ les dimensions réelles des équipements, terrain de foot, terrain de basket. Donc il y a eu des discussions, ouais c'est trop gros, ah ben non mais si c'est trop petit, si on fait plus petit, les gamins ils ont pas de quoi courir. C'est une boucle. Vous voulez pas tenir, ça vous plaît madame? Ah oui, mais j'ai dit que je participais pas à quelque chose qui allait être atroce. Vous comprenez Mais non, vous dites ça, c'est parce que vous êtes en colère. Je pense qu'au final, ce qui est compliqué des fois, c'est de... C'est aussi que nous, on doit se tenir dans ce rôle un peu de médiateur, quoi. De pas exposer nos points de vue de manière trop affirmative, parce que sinon, on casse l'échange, quoi. Donc il faut qu'on soit relativement neutre, et en même temps, il y a des moments où il faut qu'on soit ferme aussi dans certains principes, quoi. Autre chose de très très important qu'ont insufflé les paysagistes, c'est des références. C'est-à-dire que ça, on le savait, qu'il fallait qu'on fasse un travail avec les habitants sur le vocabulaire paysager. Eux, ils avaient dessiné des choses, mais avec ce qu'ils connaissent. Et il fallait leur montrer d'autres choses, leur montrer les possibles aussi. Évidemment, quand on fait un projet comme ça, on a besoin aussi d'enrichir notre propre connaissance du sujet. Et le fait de partir en bus, d'aller voir ensemble en Belgique et au Luxembourg d'autres jardins, d'autres espaces qui correspondent à nos besoins mais qui ont des fois été conçus de manière un peu différente, nous a permis ensemble de dire ça on n'aime pas, ça on trouve que c'est pas mal, et puis de prendre des bouts des uns et des autres et de les mettre dans notre parc. Ce qui serait bien, c'est que tout le monde fasse un petit tour, quoi. Ouais, et puis qu'on se retrouve. Qu'on se retrouve, donc vous faites un retour de ce qu'on y voit, et vous nous faites un retour de ce que vous y voyez. Je le préfère en courbe, plutôt qu'en en figure géométrique. Et puis le petit parcours, le mur d'escalade et le petit. L'autre parcours, là, c'est sympa aussi, moi, je trouve. J'ai bien aimé le troisième parc au niveau où toutes les aires de jeu,
les chemins, tout se rejoignait bien. J'ai trouvé que c'était sympa, que c'était bien fait également. Ouais, beau, voilà, le dernier parc. Et puis notamment aussi la fameuse toile tendue là pour dessert d'abri. Ça c'est vraiment une bonne idée. Alors, je ne sais pas si ça sera faisable techniquement. Et la tyrolienne qui était faite ainsi avec les doigts. On espère rentrer chez nous avec tout ce qu'il faut pour que vous présentiez le projet donc aux élus le samedi. Cette réunion de présentation des trois scénarios, il y avait entre 30 et 40 personnes, et y compris des personnes qui avaient suivi en pointillé les ateliers, donc qui n'étaient pas totalement dans la dynamique qui s'était mise en place. Et on s'est rendu compte qu'en fait, y a un projet qui est ressorti de manière consensuelle. On s'est vraiment efforcé d'être un peu exhaustif, de prendre en compte l'avis de chacun et de garder cette logique d'intérêt commun. Le résultat est quand même suite à leur écoute et à l'implication dans ce projet, parce qu'ils étaient quand même là et à nous écouter et à nous mettre face à nos contradictions aussi, en fait, parce que ça c'est important. Et ils ont apporté leur côté technique et sur le terrain, quoi. Je crois qu'au final, on aura mis peut-être pas loin d'un an pour aboutir à un projet dessiné qui corresponde à tout le monde. Et on voit bien qu'on a eu besoin de ce temps-là. Ça aurait pu être un projet qui se dessine en quelques mois. Et finalement, ils ont décidé de prendre le temps et de pas justement dire voilà, on investit tout de suite rapidement et on prend le temps justement d'être à l'écoute des attentes des administrés. Ça, c'était vraiment important. Les réunions aujourd'hui sont, on va être optimiste, n'ont plus un petit peu cette tension qu'il y avait au départ, qui est normale. Je pense qu'il y a eu une belle évolution d'écoute, d'entente, parce que c'est pas on peut toujours parler, mais dans le vide. Et je pense que chacun a fait du chemin vis-à-vis de l'autre. Bonjour. Aussi, il y a le stress, bon, pas être très bien. Voilà, c'est ça le problème. Bonjour. 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 Ça va bien. Ça va, oui, et vous? Oui. Bonjour. Bonjour, madame. On inverse les rôles aujourd'hui. D'habitude, c'est ce qu'on a fait à l'exercice cette semaine, les élus font des réunions publiques pour informer les habitants sur un certain nombre de projets. Aujourd'hui, on inverse tout. On a choisi donc de confier ce dossier-là aux habitants du quartier. Vous avez travaillé, apparemment bien travaillé. Il y a eu une certaine unanimité autour d'un scénario qu'il a fallu réajuster un petit peu parce qu'il n'était quand même pas parfait. On arrive à un projet qui respecte la vie de chacun sans qu'il y ait vraiment de frustration. Pour arriver à cela, il y avait deux groupes. Un groupe a proposé des jardins partagés ou des jardins, le terrain de basket. Et ça serait intéressant que les habitants, vous, qui avez participé, viennent au début du conseil municipal, où la séance sera pas ouverte, et que vous puissiez venir présenter aux élus, il y en a un certain nombre qui sont là, mais pas tous, présenter votre projet. Et moi, mon travail consistera ensuite à simplement mettre au vote le choix que vous aurez présenté. Mais que vous ayez vraiment jusqu'au bout du processus pour présenter en conseil municipal votre projet. Parce que nous, il va falloir qu'on passe à un moment donné une délibération. Donc ça serait bien qu'on ait cet acte-là pour aller jusqu'au bout du processus. La démarche, moi je la trouve un peu innovante. Non, ça a été un moment d'échange, de partage. Une très bonne initiative, bien menée. Moi je trouve que c'est une belle expérience en fait. Je ne m'y attendais pas du tout, je suis allée avec mes appréhensions, mes attentes, mes rejets aussi, c'est clair. Et aujourd'hui, je trouve que c'est une belle expérience. Aujourd'hui, j'ai hâte, nous avons tous hâte que le stade se transforme, qu'il existe, qu'il vive. On va rentrer dans une phase de chantier pour aboutir à un projet qui sera vraiment au final le projet de tous, de tous les habitants, les riverains, les scolaires, les jeunes, les jardiniers.